T'as vu notre invité du jour, il est trop beau. Mais oui, mais c'est Corentin Grébaud, mais j'ai l'impression que sa voix parle à mon âme. Oh, oui. Oh. Antenne dans 10 secondes. Je suis la première sur maquillage. Non, non, c'est moi, Gaël. Salut à tous, on est mercredi, on est sur Gulli, c'est votre rendez-vous d'énergie dans le Gulli Live aujourd'hui avec les cadreurs qui sont au top. Il est au top, est-ce que t'es au top? Il est au top, un petit pas de danse. On est prêt, c'est parti. Ok, la boule d'énergie Cindy, est-ce qu'elle est au top aussi? Oui, je fais des grimaces. Oui, bon, alors faut quand même que je reste jolie parce qu'aujourd'hui on a accueilli un super beau gosse et en plus il chante trop bien. Il s'appelle Corentin Grébaud, il sera ici sur le plateau avec nous. Oui. Évidemment, on aura des chroniques et on aura des jeux et ça, oui. ça se passe avec qui? Avec Gaëlle. Bien sûr que ça se passe avec moi. Dès qu'on veut s'amuser, s'ambiancer et gagner des cadeaux, ça se passe sur le Gulli avec Gaëlle. Alors, vous le savez maintenant, si vous voulez vous inscrire et gagner des cadeaux, peut-être en jouant avec nous, ça se passe sur votre blog, le www.gulive.fr. Et pour pouvoir laisser des messages... Ah bah non, il n'est pas là mon téléphone. Il est par ici, sur la Guliveuse. Ça se passe au 01 81 93 69 39. Et d'ailleurs, pendant que je vous tiens, on se lancerait pas une petite Guliveuse? Ah oui! Et le Gulli, moi j'ai envie de danser. Et si on se bougeait avec un step de Chris? Bisous! Mais carrément! Les filles, est-ce que vous avez Maxence en vue qui est en train de danser là comme. Ouais, le déhanché! Oh là là, Maxence. Il a besoin de cours là, il a besoin de cours. Hein. Allez, Chris et la Christine! Ouais! 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 Ça va mon Chris? Ça va la Christine? Salut Mathilde, salut Gaël! Bisous à la maison. Alors aujourd'hui, petite chorégraphie sur Justin Bieber, Sorry. Oh, j'adore. Ah. Ok, alors on fait la chorégraphie, après ensemble on décompose, comme d'habitude. Hey, ok. Sur Justin Bieber, let's go, 3, 2, 1, c'est parti. Oh. Allez, plus fort DJ, encore. Oh, oh là, petit déhanché. Oh, j'adore. Facile, easy, easy. You know I try, but I don't do too well with apologies. Hey! I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. Okay. By once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. Hey. So let me redeem all myself tonight. Allez, on se replace, tranquille. Ah, il est fier de ses danseurs, Chris, là. Ça va, la Christine? Is it too late now to say sorry? Encore, hey. Missing more than just your body. Freestyle, hey. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know. Freestyle, on fait ce qu'on veut à la maison. Et là, facile, ça fait tout le monde. Super, tout le monde. Hé, hey, tout. Ça va, la Christine? Ça fait. Yes, Kevin. Allez, Cindy. Et là, la pause de fin, tranquille. Oh là là. Oh là là. Mais je kiffe ce son, en plus. C'est parti, à la maison, fais de l'espace. Alors, regardez, facile, très facile, très facile. Premier step, regardez. Je vous apprends, c'est celui-ci, ça fait, on saute ici, d'accord? Et là, je fais, je ramène sur le côté ici, de l'autre côté, et je reviens. En compte, ça fait, tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on revient 7, 8. Et là, Christine, ça fait, regardez. Alors ici, sur le côté, très léger, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça c'est bon. L'autre côté, 1, 2, 3, 4, facile, hein? Ok. Donc là, ça fait, regardez, Diago, on essaye. Ici, ça fait Diago avec les avant-bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après, on se met deux par deux. Donc là, Cindy, Kevin, c'est bon.
Allez. Moi, je suis prête, hein. On est avec toi, Gaëlle, aussi. Alors, regardez, là, c'est facile, ça fait. On ouvre ici. 1, 2, tourne le corps. 3, 4, 5, 6. Et on ramène 7, ici. 8, de l'autre côté. La même 3, chose. 2, 3. Bah, c'est cool, 4, ça. Regardez, ici. 6, et on ramène. 7, 8. Petite vague de ce côté-ci. Alors, on déroule ici. On revient. Et on déroule ici. On revient. Et on se replace. Allez, la Christine. Ça va, la Christine, ou pas? Ouais! Voilà, on a tous les steps, on refait en musique. On danse. Allez, c'est parti. Ouais. À la maison, c'est parti. Let's go, DJ. 3, 2, 1, maintenant. Et j'ai. Hey. Super. L'autre côté. Allez, la Christine. Elle a que maintenant que ça fait. Diago. Allez. Alors on se met deux par deux. À la maison, deux par deux. Et on fait. Ouais. Et tourne le corps. La vague. Voilà, petite vague. On se replace. Allez. Et tout à l'heure, on a fait ensemble. Voilà, reviens freestyle. Tape les mains. Ça va, la Christine, ou pas? Allez, on espère que ça va à la maison. Le refrain à la cool, ça fait à tout le monde. Ça, c'est facile. Allez, on tourne, facile. Ça va, Cindy, ou pas? Grave. Hey. C'est bon, ça. Hey. Et là, devant tout le monde, petit clin d'œil. Voilà. Mais j'adore cette chanson. Bravo. Merci. Encore une chorégraphie ouf. Et n'oubliez pas, vous à la maison, envoyez-nous vos vidéos sur la choré de Chris. On vous attend, www.gulife.fr. Exactement. Bon, mon petit Chris, je crois que j'aurai besoin de cours particuliers. Hein. Désolé à tous les fans de Justin Bieber qui viennent de regarder la chorégraphie. Beaucoup de cours particuliers. Hein, bon, Kevin, t'as toujours de l'énergie? J'ai toujours de l'énergie et surtout, la semaine dernière, vous nous avez lancé un défi avec Gaëlle. Vous pensiez qu'on n'était pas capable de le réaliser. Gaëlle, est-ce qu'on l'a fait? Mais oh la main! On regarde ça tout de suite, c'était le défi Color Run. Et c'est maintenant! Salut les Gulivers! On est en plein cœur de Paris avec Gaëlle pour vous faire vivre une expérience extraordinaire. C'est la Color Run. En gros, on va courir et il y aura de la couleur. C'est pas top, ça? T'es prête? Mais carrément, je suis prête. Et toi, t'es prête? Je crois que tu vas me battre. Mais là! 3, 2, 1... Partez! La Color Run, ça déchire! Allez, allez, ma Gaëlle! Allez, c'est bien! C'est bien, c'est bien! Allez, Gaëlle! Allez, allez! And we can't get back yesterday! We beyond right now! We got right now! Tu crois que les Gulivers vont être fiers de moi? Ah oui! Okay. Moi, je suis fier de toi, Kevin! Kevin, t'as pas eu beaucoup de rose, toi? Bah, pas de temps, mais arrête! Oh non, c'est pas cool! Eh ben bravo les copains! Oui, c'est vrai qu'on était parti. Très beau défi relevé. Pour le coup, moi qui pensais ne pas avoir d'endurance, je le refais quand vous voulez, j'ai adoré. Eh ben l'année prochaine, hein. Grave. Bon, on a un peu de musique dans l'émission maintenant? Ah, attendez! Moi j'ai un copain qui joue de la mandoline. Ah ouais, non. On va partir sur autre chose plutôt, Gaëlle, hein. Peut-être une prochaine fois. Ah d'accord, c'est comme
voulez. Oui, ah, alors on va plutôt prendre un de nos copains hein, qui joue de la guitare. Exactement. Et qui joue super bien. Et okay. En plus, qui chante super bien. Exactement. Cool. Le gagnant de la dernière édition de Rising Star qui vient nous dévoiler son tout premier single. Il a collaboré avec l'équipe de Louane. On lui souhaite évidemment le même succès. C'est monsieur Corentin Grébeau. Le temps nous envoie dans les cordes, on pleure, on a le cœur qui déborde, on marche sur un fil, suspendu dans la ville. Quand on rate un rêve en chemin, faut bien remonter dans le train, même s'il n'y a pas de rail pour le monde idéal. Laisse-toi aller, on descendra à la prochaine station. Laisse-toi aller, on remontera prochaine passion. Ne me dis pas non, non. Accompagne-moi là-haut jusqu'au grand frisson. Non, je ne dirai plus un mot. Ne me dis pas non, non. J'aurai trop mal à la peau. Ne me dis pas non, non. Je serai ton alter ego. Ne me dis pas non. Froid dehors, jusque dans mon corps, réchauffe-moi, sens-moi fort. Regarde comme il fait noir en moi, quand tu fermes les bras, je t'en prie, serre-moi encore. Ne me dis pas non, non, accompagne-moi là-haut, jusqu'au grand frisson, non. Je ne dirai plus un mot, ne me dis pas non, non. J'aurai trop mal à la peau, ne me dis pas non, non. Je serai ton âme. Sur le plateau du Gulive pour son premier single, Ne me dis pas non, bravo à toi. Ne me dis pas non, non, badoubidouba, bah, ne me dis pas non, non, daboudidouda, da. Je pense d'ailleurs qu'on entend que tu devrais changer les paroles de ta chanson pour daboudibouda. Ah ouais, c'est pas faux. Ah moi je sais pas, c'est juste une suggestion. Et d'ailleurs, les Gulivers sont d'accord avec moi. Non, c'est pas vrai, ils ont appelé pour te poser plein de questions. Alors j'espère que t'es prêt, hein, parce qu'attention, ça commence maintenant les questions. Moi, tout d'abord, j'aimerais que tu te présentes un peu, connaître ton âge, ton parcours, tout ça. J'ai 20 ans et je viens de Franche-Comté. Oh. Ah, la Franche-Comté. Je suis très fier, hein. Attention, c'est pas de mal. Ah, jamais. C'est bien. Et voilà, j'ai gagné donc il y a un an et demi l'émission Rising Star et je suis en pleine préparation de mon album. Vous venez tous de Franche-Comté quand vous gagnez les émissions de télé-réalité de voix. C'est étonnant. Oui, il y a un gros potentiel télé-réalité voilà, en Franche-Comté et en Belgique, tout ça. Ouais. Exact. Et depuis, tu as collaboré avec l'équipe d'une artiste qu'on aime beaucoup dans le Gulive et que nos Gulivers aiment beaucoup, qui est Louane. Exact. Et pour nous présenter donc ton premier single, un album à venir. Alors comment ça se passe, la préparation de cet album ? Eh bien, alors là, on finalise un peu les restes des chansons. D'accord. Je suis très fier d'arriver au bout de cet album, parce que pour moi, c'est le premier. C'est toujours une expérience assez émouvante. Ça, c'est notre petit bébé. Et je suis très content. Et puis, j'espère que ça va aller, que ça ira. Bien sûr. Oh, c'est moi. C'est trop choupinou. Alors moi, j'ai une question aussi. Enfin, moi, j'en ai des milliards, hein, mais c'est David qui a 10 ans et qui vient de Saint-Ouen qui a une question et qui dit « Coucou le Gulive, coucou Corentin, as-tu gardé des amis de l'émission Rising Star ?» Ah. Oui, on s'entendait vraiment déjà tous bien dans l'émission. Il y avait une très bonne ambiance entre nous. Et j'ai gardé plusieurs contacts avec plusieurs personnes. Voilà, on se donne des nouvelles de temps en temps. Après, c'est vrai qu'on a nos vies respectives chacun, mais voilà. J'essaie en tout cas de garder contact, c'est pas facile, mais bon. Et on parlait de ton album tout à l'heure. Est-ce que par hasard, tu pourrais pas nous faire un petit extrait d'une autre chanson avec la petite guitare qui traîne ? Eh bien, pourquoi pas ? Un petit extrait, un petit coup, c'est chouette. Alors attends, je te fais pied de micro. Je laisse à Cindy le bonheur de s'asseoir à côté de toi pour te tendre le micro. Je tourne en rond dans la chambre. Est-ce que tous les jours se ressemblent? Est-ce qu'ils ont tous le goût de l'ennui? L'amour se consume et les cendres s'envolent dans le ciel de décembre. Est-ce que c'est un signe de la vie? Et puis je vois, je veux, je sens, j'attends. Je pleure.
Tu fais les premières parties des Zéniths de Louhane. Exactement. Alors en plus avec un public qui aime du coup vos univers, donc ça doit être absolument incroyable. C'est incroyable et puis pour moi voilà, c'est la première expérience, c'est énorme de jouer dans des Zéniths et je la remercie d'ailleurs de me donner la chance de faire sa première partie et voilà, c'est une expérience super et c'est des bons souvenirs chacun. Moi j'ai envie d'une petite question un peu folle, la question nanonaire. Oui, c'est spécial, c'est live. Alors, quelle est ta question? Ta plus grosse honte. Ah, le moment le plus gênant, que ce soit sur scène ou dans la vie. C'était un jour, je rentrais dans le lycée, il pleuvait dehors. Et là, en fait, devant tout le monde dans le hall, je me suis cassé la tête. cassé la figure. Complètement, ça a glissé et là, j'ai la tête en arrière et devant tout le monde. Du coup, que là, en fait, dans ce moment, on pense à deux choses. Est-ce que je fais le bon? Est-ce que je me relève? Voilà. Et est-ce que je rigole ou oui, est-ce que j'ai ça. Honte et je Du coup, me je me cache. Suis relevée, j'ai rigolé avec tout le monde. Bah, voilà. Et après, je suis partie. C'est le meilleur moyen hein, de supporter une honte comme ça, les U-Livers. On vous le donne, le truc. Ouais, tu rigoles et puis après, tout le monde rigole et c'est Exactement. Rigolo. Et tout le monde oublie. Voilà, c'est ça. En tout cas, Corentin, on a passé un très très beau moment avec toi. On attend ton album avec impatience. Ce sera à la rentrée. Pour l'instant, il y a le EP qui est dispo sur les plateformes de téléchargement légal avec donc Ne me dis pas non et le titre que tu nous as interprété. Tu fais les premières parties de Louhane en Zénith. Ça a été un bonheur. Merci à toi. Bah, merci à vous. Merci beaucoup, Corentin. Et puis bah, maintenant, on va jouer. Et alors, avec qui on joue, Gaëlle? Alors aujourd'hui, on va jouer avec une délicieuse danseuse qui s'appelle Karen, avec un K, comme le K de Chris, hein, comme ça. Elle a 8 ans et elle habite à Chilly-Mazarin. Voilà. Salut Karen, comment tu vas? Bien, trop bien. Et dis donc Karen, est-ce que t'as un amoureux? Non. Mais t'es si jolie, comment c'est possible? Je sais pas. Bon, ouais. Tu t'intéresses plus à la danse et tout ça qu'aux amoureux. Dis-moi, est-ce que tu as la pêche pour gagner plein de cadeaux? Oui. Ok, alors si tu as une super pêche, une super patate, nous allons jouer au Moussier Quiz. C'est des quiz, oui, c'est le Moussier Quiz. Je dis que c'est le Moussier Quiz. Hello. C'est le Moussier Quiz. C'est des quiz, oui, c'est le Moussier Quiz. Ouais. C'est le Moussier Quiz. Ouais. Le Moussier Quiz. Ouais. Oh yeah. Est-ce que tu aimes Moussier Tombola qui est à côté oui. et qui va te faire gagner des cadeaux? Oui. Bon, est-ce que tu es prête à lui faire gagner plein de cadeaux? Ah, beaucoup, 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 beaucoup. Alors, les règles du jeu du Moussier Quiz, ma puce. Tu as 1 minute 30 pour répondre à 7 questions portant sur tes séries Gulli préférées. Si tu te trompes, ton joker, c'est Moussier Tombola qui va aller partout dans le studio qui est assez grand pour entarter quelqu'un. Une fois qu'il l'a fait, tu vas pouvoir répondre à la question suivante. À chaque question, tu gagnes un cadeau, d'accord? Moussier Tombola, est-ce que tu es prêt? Oui. Attention. Est-ce que tu es prête là-bas, ma puce? Oui. On va pouvoir faire un décompte. 3, 2, 1, c'est parti. Dans le générique du Gulive, on peut voir un mur de briques ou un toboggan? Un mur de briques. Oui. Dans Pokémon, de qui Craoporal est l'évolution? Passe rouge ou grenousse? Grenousse. Bonne réponse. Dans Wings Club, quelle est la couleur des cheveux de Bloom? Blonde ou rousse? Rousse. Oui, bravo. Où vivent les poneys de My Little Pony? À Ponyville ou Littleville? Ponyville. Oui. Dans Pokémon, de qui Brasillon est-il l'évolution? Passe rouge ou Fennec? Passe rouge. Oui, bravo. Dans Mia et moi, qui est Zigo? Le chat de Panthéa ou le chien de Mia? Le chat de Panthéa. Oh, c'est la fantôme. Moussier aujourd'hui est venu pour rien, mais on va lui demander d'entarter quelqu'un quand même. Ouais. Allez. Ouais. Allez, Moussier, pour le plaisir. Un tartage, un tartage gratuit. Ouais, si. Oh ouais. C'est bon. Attendez, Karen a gagné. Elle c'est a gagné. Les... Elle a tout gagné les cadeaux. Et comme t'as fait un sans faute, on t'offre le chariot. Les cadeaux. Oh là là, regarde comme je suis jalouse. T'as une maison de Barbie. On t'offre également cette formidable selfie stick de Kung Fu Panda 3. Tu as une trousse avec un stylo, une petite règle et des autocollants Alvin et Chipmunk. On t'offre le masque officiel de Kung Fu Panda. Cette énorme boîte de Punch-Ems pour fabriquer des trucs avec. On t'offre également des magazines stickers Star Wars Collector. Des invitations pour le Gulli Park, s'il vous plaît. On t'offre un Robocar Poly. Un casse-tête, un énorme casse-tête. Perplexus. Oh, et puis on continue avec Kung Fu Panda puisqu'on t'offre le serre-tête, ça met ça à toi. Ça va, monsieur, t'es pas trop déçu? Ouais, mais elle joue trop bien.
Et le méga cadeau bonus, surtout à ne pas oublier, c'est cette énorme boîte de jeux. Là, je suis très jaloux de Kung Fu Panda 3. Tu as gagné le chariot, tu as fait un sans faute. Bravo! Un tonnerre d'applaudissements pour Karen. Bravo, t'as été au top, on n'a même pas pu entarter quelqu'un. Oh, mais c'est pas grave, c'est parce que t'étais trop forte. Alors attention, attention. Brrr, si vous aussi à la maison, vous avez envie de jouer avec nous et gagner les montagnes de cadeaux, ça se passe sur votre blog, le www.gulive.fr. Et pour pouvoir laisser des messages sur la Gulive, poser les questions à Moussier Tombola, à Cindy, à Kevin, à Gaël, laisser des blagues ou nous dire juste que vous nous aimez, il n'y a pas de souci. Ça se passe au 01 81 93 69 39. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Oh oui, et surtout que la semaine prochaine, on recevra un super beau gosse chanteur de ouf qui s'appelle Amir. I'm singing my blues right shoes. I'm singing my blues right shoes. I'm singing my blues right shoes. À la semaine prochaine, les Gulivers.